Salut à tous, c'est Arnaud Bellier, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et aujourd'hui, j'ai eu une idée un peu débile. Comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fait une voiture à partir de barils explosifs. Et on va se balader un peu et voir combien de temps on peut survivre dans cette magnifique voiture avec une armature totalement en poudre à canon. J'ai essayé, ça roule. Alors, je sais pas combien de temps ça roulera, mais ça roule. Le meilleur endroit pour faire ça, c'est à cette tour-là, qui est la tour de... Elle a un nom, ouais. La tour de la plaine d'Hyrule. Il y a une tonne de barils explosifs, il y en a même que j'ai pas utilisé. Donc vous venez, vous tuez tout le monde, et ensuite vous pouvez utiliser les barils explosifs comme bon vous semble, pour faire votre voiture explosive. Donc, on va monter, et comme vous pouvez voir, ça roule très bien. Ça roule franchement bien. Je sais pas, j'ai pas d'objectif, je sais pas où je veux aller. Je me dis, on pourrait essayer de monter la montagne de la mort, c'est pas drôle. Il y a un camp de monstres. On va éviter de tout de suite aggro les mobs et tout ça. Mais oui, ce jeu, franchement, est incroyable. Genre, une voiture en baril explosif. Pourquoi? Me posez pas la question, c'est juste drôle. On va éviter de rouler sur les fruits de feu, sinon on va exploser instantanément. Mais ouais, oh mon dieu. Est-ce que je peux rouler sur le renard sans exploser? Non. Si je roule sur le renard, je vais exploser. Et après, je vais mal le prendre. Alors, il y a des petites pertes de FPS quand on conduit des véhicules qui ont beaucoup d'éléments. Je sais pas pourquoi. Le jeu, il a un peu de mal. J'espère que ce sera réglé dans des mises à jour. Je crois quand même que... Oh, il y a un arc... oh, y a un double arc-en-ciel! OMG! Incroyable, hein. C'est magnifique, hein. Regardez-moi ça. C'est trop bien. Sinon, à part ça, j'ai pas mal de vidéos de prévues sur ce jeu. Donc, ce n'est que le début. On part avec une voiture explosive. Mais bientôt, je vais faire des combats intenses et tout. Ça va être trop bien. J'ai pas mal d'idées. Donc, ce n'est que le début. On va peut-être essayer d'aller au château d'Hyrule, hein. Mais après, je sais pas ce qu'on pourrait faire au château. Non, je pense que la montagne de la mort, c'est une bonne idée. On peut peut-être essayer de rajouter... J'allais dire, on met une roquette. Mais mettre une roquette là-dessus, je pense que ça va vite mal tourner. Hein. Je pense que c'est pas une très bonne idée de mettre une roquette là-dessus. On peut peut-être mettre un ventilateur pour aller un peu plus vite, hein, à la limite. J'aimerais bien ne pas me faire attaquer par des arbres, là. Ce serait cool. Hein. Oh, j'étais pas allé là. Oh, cité des mouettes, hein. Magnifique, hein. Caméo. La cité des mouettes. Oh, y a un beau gobelin là. Ça peut, la vidéo peut se terminer maintenant. Hein. S'il balance un caillou sur les barils explosifs et que ça explose. Hein. Là, il y a un chef boko rouge. Si on survit jusqu'à la montagne de la mort, ce que je ferai, c'est que je mettrai un lance-flamme devant. Et on verra bien combien de temps je survivrai. Mais là, on y va tout en douceur, tranquillement. Encore une fois, du coup, le concept, c'est un peu si j'explose, la vidéo s'arrête. Donc, on va essayer de survivre le plus longtemps possible. Hein. D'ailleurs, j'ai pas mal de batteries. Je peux encore en améliorer. J'ai beaucoup de cristaux sono, donc il faudrait que je fasse ça. J'aurais peut-être dû même le faire avant la vidéo. Mais vous voyez le sondage que j'ai fait un peu plus tôt. Oh là, 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 attention. Le sondage que j'ai fait il y a quelques temps là pour vous proposer des idées de vidéos. La vidéo du tank stylé arrivera quand j'aurai full batterie. L'objectif étant qu'il puisse tenir le plus longtemps possible. Mais ouais. Oh, il y a un cerisier. Il y a un cerisier. Nice. À part ça, j'ai terminé le jeu du coup. Voilà. Vous avez peut-être pu voir, j'ai posté le combat contre le boss final. D'ailleurs, n'allez pas voir cette vidéo si vous voulez pas vous faire spoil. C'est important. Mais ouais, le jeu, ce jeu est trop bien. Ce jeu est incroyable. Je passe là-dessous, j'ai peur. Ok, tout va bien. Il y a un Korogu, il y a un Litorok, ouais, plutôt. On va essayer. Ouais, du coup, ce jeu est. Waouh, lui, il a un coffre. Hein. Ce jeu est phénoménal. Hein. C'est impressionnant, genre. Ça fait une semaine qu'il est sorti au moment où je tourne. On est samedi, non? Ouais, ça fait plus d'une semaine qu'il est sorti. On va essayer de contourner. Lui, s'il me balance un caillou, je meurs. Hein. Et ce jeu est incroyable.
Il a pas aimé la pente. Ok, on va essayer de... On va juste se faire ce petit Littorok du coup, rapidement. Oh la masterclass, hein. Bon gars. C'était impressionnant l'explosion. Mince, hein. Je m'attendais pas à ça. Concrètement, je m'attendais pas à ça. Ok. Avec ma Master Sword. Hein. Hey, tu peux t'allonger, gars? Ouais, mais je sais pas. Est-ce que je peux passer comme ça, là? J'y crois pas, hein. Oh non, je peux pas. C'est ultra galère, en fait. Parce que moi, je les ai toujours affrontés en passant par au-dessus. On peut peut-être faire un... On peut peut-être faire un pont. Attendez. Attendez. Ah, mon dieu! Faut que je mange. Hein. Hop, hein. Je mange des trucs au pif, hein. Tout va bien se passer. Ok. Oh là. Vas-y, le pont! Ah, ça a pas l'air de bien vouloir fonctionner, hein. Oh, non, presque. Ok, maintenant. Là, c'est mon moment. Non. Oh non, j'étais tellement pas loin. Ah, je peux monter sur le côté quand il fait ça. Attendez. En fait, les seules fois où je les ai affrontés, eux, j'ai atterri sur leur tête en volant. Donc, c'est la première fois quand j'en affronte un au sol comme ça. Ok, je suis dessus. Bon, par contre, c'est vraiment ultra simple à battre, ces trucs. Hein. Paf. Et magnifique. Oh là 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 là. 2 rubis. Magnifique. Ça, c'est beau. Bon, je m'occuperai de mettre le cœur sur quelque chose après, plus tard. Bref, on va s'arrêter là du coup. C'était une petite vidéo, mais c'était drôle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en a d'autres qui arriveront plutôt. J'ai pas mal de projets en cours là, donc il y a des trucs assez intéressants qui vont se passer sur la chaîne. Et j'ai très hâte. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un like, un commentaire, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, il y a Discord en description, venez sur Discord, c'est là où on est plus actif. En plus, en ce moment, on fait une fête Zelda avec plein d'événements liés à Zelda et tout. Donc, si vous voulez, venez. C'est trop bien, j'adore le Discord. Et il y a tous les autres réseaux en description aussi. Bref, c'était moi, et bye tout le monde !